Alors, notre orateur d'honneur de ce déjeuner est M. Mustapha, et pas Mostapha, parce qu'il y a Mostapha Terab et Mustapha Bakouri. Il y a toute une histoire, d'ailleurs, derrière la distinction entre le O et le U, mais je ne vous la raconterai pas. Et M. Mustapha Bakouri est une très grande personnalité marocaine, qui, je ne vais pas raconter sa vie, mais il y a deux points qui ressortent particulièrement. Il est mondialement reconnu comme l'un des grands dans le domaine des énergies renouvelables, et particulièrement l'énergie solaire, mais il a également consacré toujours une partie de son temps en politique, mais sans abandonner non plus son domaine de compétences, ce qui n'est pas facile hein, de faire ce genre de choses. Et actuellement, d'ailleurs, il est le wali, c'est-à-dire le gouverneur ou le président de la région de Casablanca, Sakat, n'est-ce pas? Donc le terme marocain, c'est wali. Voilà, donc ça fait en tout cas beaucoup de casquettes, donc grande personnalité. Et je vais tout de suite l'appeler sur le podium. Et si j'étais à l'IFRI, j'imposerais le silence. Ça, c'est mon côté professeur. Hein. Ouais, comme ça. Voilà. Bon, Mustapha, the floor is yours. On peut le dire quand même en anglais. Cher Thierry, Monsieur le Président, merci de me donner cette occasion et merci pour l'honneur que vous me faites tous. Et bonjour à chacun et chacune. Merci de me permettre de prendre part comme orateur à cette conférence qui a atteint l'âge de la maturité. Et donc j'ai vu que les sujets qui s'y traitent sont de grandes volées. Et donc je ne vais pas me hasarder à me positionner comme expert parce que je ne le suis pas. Mais peut-être comme praticien, à la fois de l'un et de l'autre, et me référer à ce que nous faisons au Maroc uniquement peut-être pour signaler ou souligner quelques points que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui et qui sont un peu le fruit de notre expérience, de l'expérience du Maroc sur les énergies renouvelables qui a été formalisée est mise en œuvre il y a 9 ans, bientôt 9 ans. Donc, nous sommes fin 2009, début 2010, avec à l'époque, et je vais commencer à passer les quelques messages que j'aimerais partager avec vous, avec à l'époque une double préoccupation. Une première préoccupation liée au développement. Parce que quand on parle d'énergie, on parle fatalement aussi de développement, qu'il s'agisse de l'énergie renouvelable, de l'énergie fossile. Le Maroc, il y a 10 ans, il devait trouver les voies et moyens de continuer sur une dynamique de croissance à un niveau suffisant pour à la fois absorber les retards qui étaient les nôtres, et il fallait les reconnaître, les identifier, et les mettre dans des stratégies nationales mobilisatrices. Et ensuite, le deuxième volet, c'est de valoriser les ressources et les potentialités du pays, et il y en a aussi. Évidemment, le corollaire de cela, c'est d'avoir une énergie qui soit disponible, qui soit compétitive, puisque tout ceci se faisait dans un contexte d'accélération de l'ouverture de l'économie marocaine sur l'extérieur, et qui dit accélération, dit nécessité, qui dit ouverture, dit nécessité d'assurer aux acteurs économiques ou autres les moyens de leur compétitivité. Ceci pour un pays qui n'est pas le seul dans cette situation, qui n'a pas de ressources fossiles, ce qui n'a pas, et donc qui dépend de manière totale de ses ou quasi-total des importations de ces ressources primaires.
Le taux de croissance auquel je faisais référence et qui serait un minimum à faire pour atteindre les deux objectifs, de l'ordre de 5 à 6%. Ce qui veut dire, en termes énergétiques, une nécessité de doubler les capacités électriques tous les 10 ans. Donc c'est un très gros défi, mais en fait, on va voir que c'est aussi une chance. C'est un trop gros défi parce qu'il faut revoir ces dispositifs de développement des projets. Mais c'est une chance, pourquoi ? Parce que quand il s'agit de faire une rupture, et c'était de ça qu'il s'agissait, de faire une rupture stratégique, d'introduire de manière substantielle les énergies renouvelables dans le mix électrique, en particulier cible, veut dire, était quelque part facilité par le fait qu'il s'agit de développer de nouvelles capacités. Ce qui n'est pas le cas d'un certain nombre de pays qui ont la difficulté de remplacer des capacités existantes par des capacités nouvelles. Mais tout était à mettre en place en partant de zéro. Ça, c'est le challenge. Là aussi, en fonction de la manière dont on s'y prend, ça peut être une opportunité ou, à l'inverse, un défi de plus qui vient rajouter à la complexité de la tâche. Nous avons essayé d'en faire une opportunité. Donc de faire sur le plan institutionnel des aménagements pour avoir des acteurs, protéger les acteurs historiques pour qu'ils n'aient pas à subir les conséquences d'une telle démarche, puisqu'il était évident pour nous tous que cette rupture se traduit par l'initiation d'une phase transitoire pendant laquelle un certain soutien serait nécessaire. Alors, qui dit transitoire veut dire qu'il faut la limiter dans le temps et au maximum, et qui dit un certain soutien, il faut que si mécanismes de soutien s'avéraient nécessaires, qu'ils soient conçus de manière saine, qu'ils ne soient pas des éléments qui viendraient rajouter au coût auquel les finances publiques devrait faire face. Donc c'est trouver les bons mécanismes de soutien qui seraient finalement des mécanismes de levier plutôt que des subventions de plus qui rendraient cette orientation tout simplement une aventure. Mais ce que j'aimerais passer comme message aussi, c'est que pourquoi nous l'avons fait en 2010 et qu'est-ce qui nous a encouragés à partir dans cette voie que certains avaient qualifiée d'audacieuse, ce qui était le cas. Mais certains le disaient en disant que c'était une aventure non calculée. Nous avions décrypté quelques dynamiques à l'échelle internationale. Évidemment, d'abord, une plus grande sensibilité aux problématiques environnementales et qui commençait à se traduire par une réelle préoccupation à l'échelle de certaines régions du monde. Mais ça, c'est de la perception. Mais nous avons un autre indicateur qui, lui, a beaucoup pesé sur la... C'est que nous avions aussi décelé une véritable orientation concrète en faveur des énergies renouvelables à travers les budgets de recherche que les grands pays avaient commencé à allouer. Les grands pays, c'était au niveau européen, qui d'ailleurs, l'Europe est encore en tête des budgets de recherche alloués aux énergies renouvelables. Légèrement devant les États-Unis et la Chine de l'autre côté. Évidemment, sans oublier ce que fait le Japon et la Corée. Mais quand nous regardons les budgets, c'est surtout les trois blocs. Et pour nous, ces budgets de recherche sur des sujets souvent très concrets ne pouvaient pas ne pas donner de résultats. Et les résultats que ça allait donner, tout simplement, c'est l'entrée dans une phase de réduction des coûts des énergies renouvelables, à un moment où, de l'autre côté, nous rentrions dans une phase de hausse des coûts des fossiles et tout le moins une phase de volatilité qui est extrêmement difficile à intégrer dans des stratégies de long terme. Donc ces facteurs ont beaucoup pesé pour dire que pour le Maroc, c'était le moment, il fallait y aller. Et pour que
ça soit considéré comme une stratégie sérieuse, il fallait que ce soit consistant. Donc c'est bien d'avoir une vision, c'est bien d'avoir aménagé le cadre institutionnel. Des objectifs ont été aussi fixés en 2010 pour que tout ceci ait un sens et que tout ceci nous mobilise finalement sur le front interne. Et nous nous sommes fixés des objectifs que d'ailleurs aujourd'hui tout le monde connaît, 42% de notre mix électrique à horizon 2020 de sources renouvelables. Et nous sommes partis sur cette base. Et la dynamique internationale que nous avions décelée s'est largement concrétisée, voire même dépassée. Nous avons donc aujourd'hui une dynamique différente, une dynamique plus avancée, puisque nous avons dépassé la phase de conception et de planification. Nous sommes bel et bien dans la phase de réalisation. Les premiers gros projets sont réalisés. D'ailleurs, qu'il s'agisse du solaire ou de l'éolien, puisque c'est les deux sources piliers de la stratégie, en plus de la valorisation du potentiel hydraulique, même s'il est faible, puisque nous ne sommes pas un pays de l'hydraulique, mais nous sommes un pays qui a besoin de gérer son hydraulique. Et d'ailleurs, la stratégie hydraulique et la stratégie de l'eau que le Maroc avait initiée quelques années avant nous a beaucoup aussi encouragés pour avoir confiance dans cette orientation. Les choses, la vie d'un pays ne s'arrête pas à 10 ans. Donc, et le secteur de l'énergie étant un secteur d'infrastructure, il faut continuer en permanence à lui dégager de la visibilité sur le long terme. Donc on a à chaque fois repoussé les horizons de projection. Et nous, avant d'arriver à 2020, étant rassurés sur notre capacité à atteindre nos objectifs, cet objectif a été annoncé, l'objectif 2030 a déjà été annoncé, Sa Majesté le Roi qui d'ailleurs suit de très près, et c'est l'un des facteurs aussi de mobilisation et de succès, suit de très près puisque ça lui assure aussi la pérennité dans le temps, l'élévation de l'objectif pour atteindre 52% de sources électriques à horizon 2030, 52% dynamique. Et ceci en continuant de s'intéresser aussi de très près à ce qui se passe sur le plan international. Les budgets de recherche n'ont pas baissé. Ils ont augmenté en Europe. Ils ont augmenté aux États-Unis malgré tout ce que nous pourrions penser de l'attitude de l'administration actuelle par rapport aux engagements, par rapport à l'accord de Paris. Et c'est l'occasion aussi de dire que pour moi, le retrait des États-Unis de l'accord de Paris ne veut pas dire retrait des énergies renouvelables. Parce que les chiffres que nous avons entre les mains montrent l'inverse. Il y a une poursuite des investissements américains dans les énergies renouvelables grâce tout simplement à l'implication forte de certains États. Je peux citer à titre d'exemple la Californie, mais pas seulement. Et parce que pour les États-Unis, de ce que je lis, je le dis de manière très humble devant probablement des experts beaucoup plus pointus sur les questions, la stratégie des États-Unis sur l'énergie, c'est de réduire sa dépendance. Et ils ont réussi à le faire entre 2007 et 2017. Ils étaient dépendants à 28% de leurs importations extérieures. Aujourd'hui, ils sont à beaucoup moins, à 10%. Notamment en s'appuyant sur les gaz non conventionnels et les pétroles non conventionnels, mais aussi sur le renouvelable. Mais ça, je serais intéressé de voir d'autres avis sur ces questions. Ce qui, évidemment, a introduit un doute sur les dimensions environnementales, mais je crois que c'est plutôt... Ça correspond plutôt à une approche des accords internationaux. D'ailleurs, on a vu que l'attitude sur d'autres accords est strictement la même. Et ça ne veut pas dire, la remise en cause de certains accords commerciaux ne veut pas dire le retrait du commerce. Donc je crois que par rapport à l'énergie, les États-Unis veulent avoir leur propre stratégie, leur propre être maître de leur destin en matière. Ce qui n'est pas le cas d'autres régions du monde. La Chine a beaucoup accru aussi sa part des renouvelables. Aujourd'hui, 40% des projets
renouvelables, notamment solaire et éolien, solaire PV en particulier, sont développées en Chine, sans parler de la position très forte sur le plan industriel au niveau de ces deux secteurs. Mais, dans le même temps, la dépendance énergétique de la Chine s'est renforcée. C'est accru. Donc ça aussi, ça peut nous renseigner sur les rapports à travers le secteur de l'énergie au niveau international. Donc nous pensons que dans tous les cas, la poursuite de développement des énergies renouvelables se fera. Et ça, je voudrais m'arrêter pour aussi poser un autre message sur le renouvelable, parce qu'il y a toujours des polémiques renouvelables fossiles. Souvent, la question, est-ce qu'on peut se passer du fossile? Moi, j'aimerais aujourd'hui poser la question, est-ce qu'on peut se passer du renouvelable? Et je ne veux pas donner de réponse, je veux que le débat se poursuive, mais je dirais tout simplement, si on arrêtait aujourd'hui, si je ne prenais que le secteur électrique, seul, et que nous décidions, si on avait tous entre les mains cette capacité de cette décision, d'arrêter à partir d'aujourd'hui de développer des projets électriques d'origine renouvelable, qu'est-ce qui va se produire? Évidemment, il va se produire une tension supplémentaire sur les ressources fossiles, et évidemment, un accroissement de manière forte sur le coût du kilowattheure électrique. Et si on faisait l'inverse, si on arrêtait les projets basés sur des sources fossiles et qu'on décidait aujourd'hui de développer toute notre capacité à venir, notre nouvelle capacité à partir de l'électricité renouvelable, c'est l'inverse qui se ferait, parce qu'en fait, le kilowattheure d'origine renouvelable, il est basé à 70 à 80% sur les CAPEX. Et donc, c'est une affaire de taille de marché. Évidemment, il faut nuancer par rapport à certains matériaux qui pourraient aussi manquer, mais globalement, l'équation est inversée dans ce sens. Donc je ne veux pas, évidemment, trancher, mais le but, c'est qu'il y ait, c'est aussi d'avoir ce regard un peu embillé par rapport à ces questions. Nous avons l'habitude de regarder, de nous poser les questions de manière classique, et d'ailleurs, personnellement, je n'ai pas d'inquiétude sur la nécessité pour nous tous de devoir recourir, mais de manière la plus intelligente possible, à toutes nos sources énergétiques. Je ne nous vois pas capables de nous passer de certaines ressources fossiles, mais je pense qu'il y a d'autres façons de les utiliser, évidemment à condition de traiter en parallèle la question des émissions et le problème du carbone, le problème du CO2 et la manière d'abord de l'éviter quand ce n'est pas nécessaire, et ensuite de mieux le réutiliser sur... Il y a besoin aussi de CO2. Donc c'est de voir comment mieux gérer cela. Les accords que nous avons aujourd'hui, et notamment l'accord de Paris, qui est un accord à minima, il faut l'entretenir, mais il ne faut pas se suffire de ça. C'est un SMIC pour les pays, pour que collectivement on évite les émissions. Mais ça, c'est donc le sujet en parallèle. Le message suivant, je crois le quatrième, c'est qu'aujourd'hui, au niveau des technologies renouvelables, il y a une maturité avérée qui est incontestable. Par contre, ce qui ne l'est pas forcément, c'est notre approche pour utiliser telle ou telle technologie, et qui, elle, ne doit pas reposer sur des déterminants du type le coût ou du type, mais plutôt qu'est-ce que je suis censé en faire, quel usage économique je vais en faire. Pour moi, c'est ça la vraie question. Et c'est ça qui doit déterminer le recours à telle ou telle technologie. Et c'est l'usage économique que je peux en faire qui doit ensuite être la base pour juger de la pertinence
économique, technique, institutionnel. Et je crois qu'on aurait une meilleure efficacité de, du recours aux énergies renouvelables dans des systèmes intégrés. Et on évite d'ailleurs à ce titre de rentrer dans ces débats de, au sein du renouvelable, de compétition entre les technologies. Parce que le vrai sujet, c'est qu'est-ce que je suis censé en faire. Parce que chacune des technologies a ses caractéristiques propres qui fait qu'elle a des avantages et des inconvénients. Et c'est la somme de ces avantages et ces inconvénients qu'il faut analyser, déceler et savoir ce qu'on en fait. Et quand c'est fait comme ça, on arrive en général à en tirer du positif. D'abord sur le plan de l'équation énergétique, ensuite sur des externalités, et qui peuvent être très nombreuses, au niveau du secteur industriel, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se font autour du renouvelable qui pourraient être à la portée de la majeure partie des pays, d'un point de vue industriel. Donc des possibilités de création d'opportunités d'emploi locales intéressantes. Donc, de ce point de vue-là, une contribution réelle à la réduction de disparités, la possibilité de faire décoller des territoires et donc de réduire les disparités. Il y a eu sur certains ateliers la discussion sur ces points. La réduction des disparités, c'est aussi de générer de l'activité saine, l'activité économique saine, qui puisse valoriser les ressources. Et souvent, là où il y a la ressource renouvelable, c'est des territoires à niveau de développement inférieur au développement que nous pourrions trouver à l'échelle nationale. Et donc, il faudrait aussi que cette dimension est, à mon avis, importante pour avoir une réussite globale. Pour finir, peut-être comme message à ce stade, pour moi, le renouvelable a une caractéristique extrêmement forte. La ressource renouvelable, solaire, éolienne, hydraulique, biomasse, géothermie, quand elle est disponible, elle est en général disponible pour un très grand nombre. Et par conséquent, la concurrence autour de l'utilisation de cette ressource est inexistante. C'est plutôt l'inverse. Ne pas l'exploiter, donc ne pas en profiter, ça équivaut à une perte pour tout le monde. Et la valoriser n'appauvrit pas le voisin. C'est-à-dire le fait d'utiliser un projet solaire ou un projet éolien n'appauvrit pas le voisin en aucune manière. Donc ça peut être un sujet de coopération extrêmement puissant pour refaire de l'intégration. Et à ce titre, nous travaillons, parce qu'il faut aussi citer quelques pistes concrètes, nous travaillons avec des pays européens sur une initiative que nous appelons la CET Roadmap, à élaborer rapidement, la CET comme Sustainable Energy Transmission, avec l'Espagne, le Portugal, la France, l'Allemagne et la Commission européenne. Avec l'idée toute simple que d'autres avaient à un moment donné, mais qui est restée à un niveau théorique, notre ambition aujourd'hui collective, c'est de l'opérationnaliser, c'est de valoriser c'est de réaliser des projets renouvelables là où la ressource est la mieux et de s'appuyer sur la technologie, notamment de transmission, pour l'acheminer vers les lieux de consommation, mais à travers un travail construit collectivement. Et c'est une perspective qui avance très bien. Elle sera d'ailleurs présentée à l'occasion de la COP24 en Pologne et probablement donner lieu au premier projet, j'espère, dès l'année prochaine. Donc les dynamiques sont, à mon avis, réellement là. On continue. On continue de regarder de très près ces dynamiques, à faire les projets, mais à s'intéresser à comment les améliorer, comment faire mieux le coup d'après, le stockage, l'hydrogène, et j'en dirai pas plus. C'est les sujets de demain, mais parfois demain commence plus tôt que ce qu'on croit. Je vous remercie. Il paraît qu'une bonne règle de comportement à table, c'est de s'arrêter en ayant encore un peu faim. Essayez d'être
good way of behaving, you know, with food is to stop eating when you are still hungry, a little bit. Et c'est pareil pour les bonnes choses intellectuelles. Je crois d'ailleurs que toute la WPC est un peu comme ça, si on a envie de poursuivre les débats. Donc, je voudrais juste dire à M. Bakoury, qui pour l'instant est monopolisé par M. Moratinos, que dans l'une des caractéristiques de notre ami Miguel Moratinos, c'est qu'il parle toujours. C'est toujours intéressant d'ailleurs, mais « he never stops talking ». Ça fait la... We like that. Alors, je voudrais dire que toutes ces perspectives que vous avez tracées et les questions auxquelles vous n'avez pas voulu répondre vous-même, comme vous l'avez dit, vous avez parlé du Maroc, donné l'exemple du Maroc, mais évidemment, ça s'applique à bien d'autres pays. Et une des choses, je vais faire la propagande du Maroc pendant une minute, ce qui me frappe plus généralement au Maroc, ce sont les efforts qui sont faits, en particulier dans les domaines technologiques, pas seulement dans le domaine de l'énergie, pour trouver des solutions qui soient applicables dans des pays en développement, en particulier en Afrique, qui ne sont pas forcément les mêmes solutions que celles qui sont mises en œuvre dans les pays très développés. Alors, il y a un côté exemplaire, un peu, je crois, dans certaines des stratégies du Maroc qu'il faut relever, et en particulier dans le domaine énergétique. Alors, je dirais simplement, avant de conclure, hélas, de ne pas rebondir, que vous avez posé des questions sur l'énergie, sur les énergies renouvelables. Moi, j'en pose une. Vous me donnerez la réponse à table, à côté, là. Est-ce qu'il y a des limites physiques à l'énergie solaire ? C'est-à-dire que nous avons actuellement une loi de décroissance des coûts des cellules photoélectriques, etc., qui rappelle d'ailleurs ce qu'on a connu dans le domaine des semi-conducteurs. Qui ressemble plus ou moins à la loi de Moore, mais est-ce qu'il y a des limites physiques ? Et alors, vous n'avez rien dit sur l'énergie nucléaire, c'est tout de même... oui, bien sûr, c'est l'énergie solaire, mais les énergies non renouvelables, le charbon, etc., c'est aussi de l'énergie solaire, à une autre échelle de temps. Bref, je m'arrête là, parce que sinon, je connais une personnalité marocaine éminente, je ne sais pas où elle est, qui me dira que j'ai trop parlé. Donc, merci en tout cas, Monsieur Bakoury. Elle est où, Assia ? Hein ? Bon, ben pour une fois... Ah, voilà. Donc, je m'arrête, Assia. Et je remercie très vivement Mustapha Bakoury.